Eh bien, bonsoir, monsieur. Je vous sers quoi? Ah, une pinte de brune, s'il vous plaît. Ok. Quel temps de chien dehors. C'est pas peu de le dire. Vous êtes au courant, d'ailleurs, des dernières nouvelles? Vous voulez parler de la rénovation du port? Bien sûr. C'est moi qui travaille dessus. Non, c'est une bonne chose. Je vous parle du barrage qui a cédé au nord de la ville. Les eaux ont repris leur droit, vous savez. Et l'ancienne rivière est revenue. Mais comment est-ce possible? Il n'y a jamais eu de rivière au nord de la ville. Je sais, je l'ai travaillé dessus à la base. Il n'y en avait pas. Bah, faut croire que si, hein. Paraîtrait même que les bûcherons sont pas étrangers à ça. Vous savez, à force de couper des arbres, la terre a fini par se barrer. Mais je trouve ça quand même étrange. Vous êtes... De ce que les ingénieurs nous disent, visiblement, les arbres retiendraient la terre. C'est n'importe quoi. Vous imaginez? Des arbres qui retiennent la terre, qui sont comme ça avec leurs petits bras. On croirait marcher sur la tête. Puis un jour, on va nous apprendre que la terre est cubique. Non, mais attendez, dans quel monde on vit? C'est n'importe quoi. Dites-moi, vu que vous travaillez sur le projet du port, vous êtes sûrement au courant et dans les petits papiers du roi, mais... il paraîtrait qu'on souhaiterait signer des accords commerciaux avec les royaumes alentours. Vous savez ce qu'il en est, vous? Écoutez, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais oui, notre roi s'est rapproché des royaumes aux alentours, notamment Icarus, Taralien. Et on a visiblement beaucoup de choses à apprendre d'eux, ne serait-ce que économiquement ou technologiquement. Si ça portait fruit, en tout cas, ça va être quelque chose de vraiment très intéressant pour nous. Bien sûr, comme pour eux, puisqu'en termes d'export, on essaie de mettre le paquet. Enfin bon, je peux pas vraiment m'éterniser sur ce sujet, ni vous en parler, puisque rien, comme je vous l'ai dit, n'est officiel. Donc à voir comment ça se développe. Et puis en plus, malheureusement pour vous, je dois y aller. Il se trouve qu'il faut que j'aille voir le site de la prochaine rénovation, et si vous me dites qu'une rivière vient de s'ouvrir dans le nord de la ville, malheureusement, à côté des bûcherons, c'est là que je dois travailler pour la prochaine rénovation. Donc j'espère que cette rivière me posera pas plus de problèmes qu'autre chose. Enfin bon, je vais aller voir. Ah ouais, faites bien. Allez, bonne soirée. Ah oui, effectivement. Cette rivière a fait pas mal de dégâts. D'ailleurs, ici, si je me souviens bien, il y avait une maison. Enfin bon, il faut que je trouve un autre point de vue pour voir un peu ce qu'il en est. Ah oui, effectivement. Il n'y avait pas de rivière ici en tout cas. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mais bon, au vu de la taille, il va falloir faire avec maintenant. Bon. Et ben, je vais faire avec pour la rénovation de cette partie de la ville. En espérant que ça me pose pas plus de problèmes qu'autre chose. Il va falloir attendre que le temps se calme un peu. Et on va pouvoir débuter les travaux. Bonjour et bienvenue, c'est Petit Shunoden C. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la Syrie. La Syrie d'Anoriata. Qui a bien besoin d'une rénovation. Vous voyez, je commence sur une base un peu vide. Là, j'ai gardé que la base des bâtiments. Historique, on va dire, et j'en ai rajouté un que vous verrez en fin de vidéo. Donc là, je suis vraiment sur le bâtiment qui était le bâtiment principal d'Anoria Town, c'est-à-dire que j'ai viré la partie basse pour avoir un accès directement en dessous du bâtiment. Je me suis dit que dans le concept, ce bâtiment me servirait plus de bâtiment de stockage des matières premières, donc des bûches récemment coupées ou ne serait-ce que des bûches transformées. Donc voilà, c'était l'idée. Et donc je l'ai fait assez classique. Vous allez voir que dans cet épisode, je me suis pas mal amusé avec les extensions de toit. J'ai essayé d'être un peu plus original sur le toit que j'ai incorporé dans mes bâtiments, dans mes divers bâtiments de ce quartier. Et je trouve que le rendu au final est pas mal, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense vraiment que le rendu est vraiment pas mal, et ça se détache vraiment de ce qu'on a fait jusque là en termes de construction.
Enfin bref. Donc comme je vous l'ai dit, ce bâtiment c'est un bâtiment vu plus sur le point de vue stockage. Donc on a un accès en dessous. Et là on le voit malheureusement pas sur ce plan. Mais à l'arrière du bâtiment j'ai mis aussi une petite rampe avec une petite pente très douce. Hein, comme la peau d'un bébé. Et avec laquelle on peut également venir entreposer des marchandises, des ressources plutôt devrais-je dire, directement au premier étage de ce bâtiment. Donc voilà, je fais une première extension de toit en dessous histoire de protéger l'arrivée des petits ouvriers directement dans le bâtiment. Et là, vous voyez, en temps normal, j'aurais eu tendance à, sur cette extension de toit, à faire quelque chose de triangulaire, donc avoir vraiment une façade triangulaire. Là, j'ai voulu la faire comme une énorme extension à 45 degrés. Et je trouve que le rendu sur cet angle-là est vraiment très intéressant. En tout cas, ça dénote vraiment des autres bâtiments. Je pense que c'est une idée à reprendre et que je vais continuer encore à explorer parce qu'il y a de quoi explorer tout simplement. J'ajoute une petite extension sur le bâtiment histoire de parce que je trouvais que cette grande portion-là était assez vide. Et je voulais pas mettre un toit rond. Je trouve que il faut pas en abuser. Vous voyez, vous souvenez des petits toits ronds que je mets. Faut pas en abuser parce que c'est quelque chose qui malheureusement risque de vite lasser visuellement. Donc voilà, il faut essayer de varier un maximum, c'est toujours plus intéressant. Donc sur cette portion là j'ajoute une petite maison, vous voyez, parce qu'il y avait des maisons à la base, j'avais mis là pour meubler, mais je trouvais l'idée pas mal, donc j'ai remis ces maisons là qui sont un peu les maisons des ouvriers. Des ouvriers qui sont directement sur place, hein, parce que dès que vous sortez du lit, hop, au boulot, il n'y a pas le temps de réfléchir à un temps de trajet. Maison très simple, très très simple, très petite, que j'ai rénovée très simplement du coup. Avec un petit toit toujours avec cette... Alors un petit défaut sur le toit, c'est que du coup, j'ai qu'un seul petit bloc au centre, je sais pas si c'est très dérangeant, mais à voir ce que ça donne. J'ai encore joué voilà, avec une extension un peu différente. En fait, grosso modo, dans l'idée, je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas fait du tout exprès. En tout cas, c'était pas réfléchi comme ça. En fait, j'ai repris la même façade derrière que devant, que sur la petite maison. La grosse maison, je l'ai mise en petite maison, dans l'idée. Voilà. Donc, sur la maison suivante, un peu plus complexe au niveau de la shape, enfin complexe, on est sur une forme de L quoi, on est plus sur une forme de rectangle. Voilà, j'ai refait ma construction avec toujours mon toit en concave, ce qui est caractéristique. Et là j'ai voulu vraiment tester une nouvelle extension de toit encore une fois, cette fois-ci à 45 degrés. Tout à l'heure on était sur plutôt du 30 degrés, là on est vraiment sur du 45 degrés. Je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner visuellement. Et très honnêtement, c'est particulier. Après là je l'ai fait tout droit je vous avoue hein. Mais c'est particulier. Je suis pas encore totalement convaincu. Je l'ai gardé hein, je vous avoue directement dans la maison. Mais c'est encore quelque chose qui reste à... Faut que ça prenne le temps de mûrir dans ma tête. Donc là on est sur le nouveau bâtiment qui a été ajouté en bordure de rivière. À bordure de rivière parce que je me suis dit ok, j'ai envie de mettre une scierie et j'ai envie d'exploiter cette rivière. À la base, je me souviens dans la série originelle de Anoria Town, je sais plus si j'avais fait ou si je voulais faire une roue à aube. Et donc là, je me suis dit que c'était l'occasion de faire justement cette roue à aube qui va pouvoir mécaniser un petit peu tout le quartier. Donc on va pouvoir avoir un petit, alors je dis vraiment petit. Très très léger côté steampunk, mais steampunk de très très loin, très 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 loin. Il est plus proche du médiéval quand même que du steampunk. Parce que dans l'idée entre guillemets RP de cette construction, c'était d'avoir ma roue à aube en fait qui vienne activer mes scies pour découper mes bûches. Enfin voilà, je suis sur quelque chose quand même, je suis parti assez loin sur ce. Sur ce cas-là, mais dans l'idée, c'est ça que j'avais en tête. Alors le bâtiment, je l'ai travaillé sur une shape un peu particulière, je vous avoue. Vous avez le petit rectangle devant qui est plutôt la zone côté rivière, qui est plutôt la zone mécanique, avec donc un toit qui va être différent du reste. Et là, juste derrière, on va avoir un toit qui descend très bas. Enfin,
Enfin, vous verrez, c'est quelque chose de, encore une fois, assez original. J'essaie de faire en sorte d'être un peu original pour changer. En tout cas, sur ce quartier, je me suis pas mal amusé au niveau de, au niveau des constructions. Et même au niveau de la rivière d'ailleurs, la rivière, je vais vous faire un petit tuto World Edit si vous aimez cette rivière. Ça devrait pas mal vous plaire parce que là j'ai essayé de la faire la plus réaliste possible. Bon, je l'ai pas fini encore, hein. Là il y a encore de l'herbe dans l'eau, mais en termes de shape, vous voyez, j'ai essayé de, je l'ai réalisé la plus réaliste possible, c'est-à-dire vraiment avec une rivière pas plate, mais avec du relief tout simplement. Et je trouve que c'est le rendu final est très bien, et rend très bien même. Et c'est une technique que j'utilise déjà depuis un petit moment, un peu chiante à mettre en place, mais le rendu visuel est magnifique. Donc voilà, sur mon extension, je reste sur quelque chose de classique pour mes toiles, hein. Y a pas de, pour le moment, il n'y a pas de fioritures plus que ça. Très très classique. Et par la suite, l'idée là, c'était vraiment de d'avoir un bâtiment relativement simple en fait. Le principal attrait de ce bâtiment entre guillemets, c'est vraiment la roue à aube qu'on est en train de travailler tout simplement. Enfin, attrait, grosse caractéristique. Bien sûr, il y a une petite planche à l'entrée, un petit parquet à l'entrée, un petit deck. Qui en fait, vous voyez, j'ai fait un trou dans le bâtiment, on peut passer à travers. Et vous allez voir qu'en fait, le trou dans le bâtiment a une utilité qui est de faire passer en fait les. Dans mon idée, hein, attention, de faire passer les bûches au travers de ce trou là. Elles passent au travers comme ça. En plein milieu, t'as la scie qui découpe la bûche. Tu vois, la bûche ressort de l'autre côté, scindée en deux. Comme ça, tu peux faire des planches. Tu vois, un peu comme si tu avais une scie circulaire collée dans le sol. Tu fais passer tes bûches dedans. Bah voilà, c'est exactement ce que je suis en train de réaliser là. Mais tu fais passer tes bûches dedans et hop, tu les découpes en deux. Bon, bien sûr, malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir travailler avec des demi-blocs, des slabs verticales. Ça aurait été parfait, je vous avoue. Hein. Slab vertical, j'aurais eu un truc très beau visuellement. Mais c'est pas d'actualité dans Minecraft, donc malheureusement, on va falloir se contenter d'un gros bloc. Mais en tout cas, dans l'idée RP de cette construction, c'est vraiment d'avoir une scierie entre guillemets apparente et d'avoir un peu plus de vie en fait dans ce quartier qui, au final, même si on avait des arbres coupés par-ci par-là, manquait vraiment d'un côté très original, d'un gros attrait vers ce quartier. Et là, je trouve qu'au final, on y est pas mal arrivé. En tout cas, voilà, pour cette construction, grosso modo, ce qu'il y a à en dire, il y a à en retirer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite introduction vous aura plu aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement. C'est pour ça que je sors ces vidéos, que toutes les deux semaines, ça me laisse le temps de pouvoir travailler un peu plus complètement sur ces vidéos et de faire quelque chose de meilleure qualité, tout simplement. C'était Petit Chinois Dancé. Bonne soirée.